Je suis Jean-Paul Sagadou, initiateur du réseau des jeunes pour l'intégration africaine, le RJA, qui organise depuis 14 ans les voyages d'intégration africaine, les VIA. Le RJA prépare actuellement activement la 8e édition des voyages d'intégration africaine qui aura lieu en août 2023 à Kigali, au Rwanda. L'aventure a débuté au Togo en 2009. Une aventure qui, depuis 14 ans déjà, rassemble les Africains et Afro-descendants de 18 à 35 ans. De purs passionnés de l'histoire des Noirs, de jeunes curieux panafricanistes des religions, cultures et géographies de notre terre, Afrique. Les jeunes qui participent au voyage d'intégration africaine portent en eux le désir de l'unité et de l'intégration du continent africain. À quand le réveil du continent africain qui compte plus de 30 millions de kilomètres carrés, une population de plus d'un milliard d'habitants et quelques 2500 ethnies logées en plein cœur de richesses naturelles considérables. C'est le Black History Month, un temps de reconnaissance du rôle central des Noirs dans l'histoire. Une place d'autant plus importante car en l'an 2100, 40% de l'humanité sera africaine, selon un rapport des Nations Unies publié en 2017. Ces voyages donc sont des occasions pour les jeunes de se rencontrer, mais surtout de réfléchir à l'aide aussi d'ateliers, de conférences. Et c'est aussi des occasions de pouvoir rencontrer des personnalités du continent africain, des intellectuels. Et cela est fait de telle sorte que les jeunes puissent eux-mêmes être bousculés dans leurs propres questionnements et surtout s'interroger sur leurs responsabilités en termes d'engagement et de contribution au service de la construction d'une nouvelle Afrique. Il y a la nécessité aujourd'hui en Afrique de bâtir le vivre ensemble, d'avancer ensemble et de participer ensemble à la construction du continent. C'est ce que nous essayons de faire au cours de ces voyages d'intégration africaine, véritable lieu d'éveil des consciences. Jeunes Africains, soyons fiers et revendiquons notre Ubuntu. À travers des commentaires et surtout, n'oublie pas de t'abonner à la page.